dans les 50 premières pages, on entre dans l'histoire. Rencontrer les personnages et qu'on trouve une raison. Moi, la question que je me pose quand j'écris un roman, c'est est-ce que je mérite que quelqu'un, qu'un lecteur, achète mon livre et qu'il me consacre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures de sa vie. C'est extrêmement précieux à lire mon histoire. Et c'est pour ça que je vous disais, moi, je me pose en permanence la question de qu'est-ce que raconte mon histoire? Qu'est-ce que ça lui apporte? Est-ce qu'il y a au moins une émotion là-dedans qui va lui apporter quelque chose? Votre travail d'écrivain, c'est de respecter le temps que vous accorde le lecteur. Et donc, si vous travaillez et que vous dites, écoutez, vous allez voir, vous allez commencer à vous intéresser à mon histoire dans 150 pages, et c'est peut-être un pari un petit peu osé. Donc voilà pourquoi les 50 premières pages sont importantes. Elles sont importantes parce que c'est un certain respect du lecteur, faire naître en lui le désir de continuer à vous lire.